Hey! C'est nul! Faut que j'arrête avec cette intro aussi. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça faisait un moment que je vous l'avais pas fait et il était temps. À l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir puisque je la pré-filme. J'ai plein de vidéos à vous poster avant celle-ci, mais mon panier est plein, comme vous pouvez le voir, et j'avais dit que j'arrêterais d'attendre qu'il soit trop plein, ce qui est encore un fail. Non, ça va, on y croit cette fois, cette vidéo ne va pas durer 4 heures. Est-ce que je me mets plutôt en mode relax comme ça, où ça fait un peu genre, ouais, donc j'ai fini ça, j'ai envie de partir pour ma sieste. Non, je vais me tenir droite. J'ai terminé 2 boîtes de spiruline, je vous en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, puis je vous en parle assez régulièrement, donc je vais pas m'étaler. C'est le seul, un des seuls compléments alimentaires que je prends, j'en prends 2 différents, mais à chaque fois que j'en prends c'est toujours de l'algue. La spiruline est une algue, c'est un complément alimentaire 100% naturel qui m'empêche de tomber malade au changement de saison et tout ça. Je sens mon organisme super fort et à chaque fois que je fais des prises de sang elles sont nickel, et je suis persuadée que c'est grâce à ça. Il y a énormément de choses à l'intérieur, notamment si vous mangez pas de viande, si vous êtes végétarien, c'est très intéressant parce que ça contient pas mal de vitamine B12, de fer, voilà. Attendez, j'espère que je dis pas de bêtises sur la vitamine B12. Ah mais cette marque là c'est nul parce qu'il n'y a pas grand chose d'écrit. Comme je prends 2 différentes, je sais plus si c'est dans celle-ci la B12, dans l'autre ou dans les deux. Bon, dans tous les cas il y a pas mal de fer à l'intérieur. Et ça, très intéressant pour les personnes qui mangent pas de viande comme moi, ou très peu disons. Un gel douche que j'aime par-dessus tout, dont je vous parle depuis très longtemps, depuis que j'habitais encore à La Réunion. C'est un de mes gels douches de supermarché préféré, le Kadom Soif d'Aloe à la fraîcheur de figue. C'est mon gel douche d'été préféré, tous les étés j'ai envie de l'avoir. Et la prochaine fois que je vais en France ou que quelqu'un passe me voir de la France, je lui demanderai de m'en ramener. C'est top moumoute ce truc là, ça rafraîchit, ça sent trop bon, ça sent le propre, le frais, un petit peu fruité, pas trop sucré. Le gel douche parfait. À chaque fois que je filme, j'éternue, c'est dingue ça. Un produit de mon projet Tanpan que j'abandonne, je vous l'avais un peu fait comprendre et en commentaire et dans la vidéo, mais je ne vais pas terminer cette crème, je la déteste. Comme je me forçais à l'utiliser elle et pas une autre, ça fait que pendant presque un mois je me suis pas mis de crème sur le corps, ce qui est pas bien du tout, surtout que j'ai la peau très sèche. Et de toute façon elle est périmée, donc je pense que quand je l'ai eue elle périmée dans 1 ou 2 mois. J'aurais dû l'utiliser vite vite vite, sauf que je la déteste, donc j'abandonne. Et c'est le seul produit malheureusement de mon projet Tanpan que j'ai terminé, donc c'est vraiment pas glorieux parce qu'en plus je l'ai même pas vraiment terminé. Mais voilà, je laisse tomber cette crème, je la jette et tout le monde sera content. Vous voyez, c'est celle-ci là, donc adieu petite crème, tu ne me manqueras pas. Oui, certaines d'entre vous m'ont suggéré de l'utiliser pour le cuir et tout, mais en fait moi j'achète pas de cuir, enfin j'ai très peu de cuir. J'ai une veste en cuir que j'ai depuis 10 ans peut-être, depuis que je suis ado. Elle est chez mes parents. Sinon ici j'ai 2 sacs, mais j'utilise d'autres crèmes. Enfin j'ai pas envie de garder tout un gros pot de crème comme ça dans mes placards, juste pour en utiliser une micro-goutte une fois par an. Enfin ça vaut pas le coup, déjà qu'en plus elle est périmée, ça me gêne un peu. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de chez Trilogy, vous savez que ce sont mes nettoyants préférés. Donc celui-ci c'est le Age Proof, donc le anti-âge, avec des enzymes de fruits en fait, donc qui viennent pas exfolier, mais si faire une exfoliation chimique on va dire. Il y a des perles de jojoba, de la vitamine E, ce produit est génial. Et dans mon imaginaire, j'adorais celui pour les peaux sensibles dont je vous ai parlé énormément de fois. Je vous l'ai présenté en favori, j'habite encore à La Réunion, que j'avais découvert en Nouvelle-Zélande et tout, puisque c'est une marque néo-zélandaise. Et en fait, c'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment, et je me rends compte que j'aime beaucoup mieux celui-ci. Je trouve que l'effet sur la peau est plus dingue, j'ai l'impression vraiment d'avoir une peau nette, lumineuse et tout ça. Enfin, j'adore ce produit, j'en ai encore un dans mes réserves. Et voilà, et après j'utiliserai tous mes autres nettoyants que j'ai dans mes réserves, vous savez que j'en ai beaucoup. J'ai terminé une huile pour le corps, toujours de la marque Trilogy, que j'adore. Dans cette huile pour le corps, il y a seulement 3 ingrédients. De l'huile d'amande douce, de l'huile d'abricot et de l'huile de rose musquée. Donc l'huile de rose musquée, c'est parfait pour les cicatrices, les vergetures et tout ça. Ce qui n'est pas mon cas, enfin j'en ai pas vraiment. Mais elle est hyper nourrissante, elle est très très épaisse, donc ça j'adore. C'est-à-dire que moi j'aime pas les huiles trop liquides où tu veux t'en mettre là et ça coule instantanément partout, t'as pas le temps de masser avant que ça coule de partout. Celle-ci elle est visqueuse, elle est épaisse, donc elle reste bien accrochée à la peau, on a le temps de se faire un super massage. C'est une huile vraiment végétale pure, donc évidemment qu'elle va pas pénétrer dans la peau en une demi-seconde et tout. C'est le principe des huiles, mais moi j'aime les huiles pour le corps de plus en plus, surtout pour le soir, pour me faire des massages dans les zones où je vois que ma circulation est pas au top, ce qui est beaucoup le cas, j'ai beaucoup de cellulite à cause de ça, et aussi parce que je mange pas ce qu'il faut et je fais pas assez de sport bien sûr, mais même à des époques de ma vie où j'étais très mince, je faisais beaucoup de sport, j'étais tonique, j'étais musclée et tout ça, j'avais quand même une couche de cellulite par dessus, et j'avais vu un naturopathe et tout qui m'avait dit que j'avais des gros problèmes de circulation et tout, bref, donc de faire des massages et tout ça peut que aider, ça fait du bien. Et c'est un produit 100% naturel, je suis fan.
Je suis super fan. Je sais pas si vous en rappelez, mais je les avais achetés à mon boulot au lieu de 28$ ou 30$. Je les avais eu, je me les étais vendus à moi-même à 2$. Donc j'en ai encore 5 il me semble, et j'en ai déjà réouvert une autre parce que j'adore en ce moment, c'est mon petit rituel. Je sais qu'à un moment ça va me passer, je vais repasser plutôt sur la crème. Je m'en mets pas partout, je m'en mets que sur les zones vraiment voilà où j'ai de la cellulite et tout. Après pour les bras, le dos, les mollets, je préfère prendre une crème. Mais voilà, donc j'adore. C'est le feu. Un déodorant Schmidt que j'ai détesté à la rose et à la vanille. Donc non seulement je suis pas fan de l'odeur et tout, mais je pense qu'ils ont un problème ces déodorants. Donc je l'ai vraiment... Ah, je peux plus l'ouvrir. Ah, je vous jure que je ne peux pas l'ouvrir. Alors je pense qu'ils ont eu un problème ceux-là parce que regardez, je sais pas si vous voyez mais il y a des espèces de grains comme si c'était du bicarbonate qui s'était rassemblé en petites billes au lieu d'être bien réparti dans le produit. J'ai acheté ce lot chez Costco, vous savez Costco c'est une grosse chaîne, ça vient plutôt des États-Unis mais on en a aussi en Australie. C'est des magasins énormes où tout est vendu en très grosse quantité et donc on paye beaucoup moins cher et avec Hugo on adore y aller. On y allait de base pour notre entreprise, pour acheter la farine et tout, enfin des produits dont on a besoin en grosse quantité, la poudre d'amande, les noix et tout. Et on adore aussi prendre des trucs pour nous, on trouve des trucs vraiment géniaux là-bas. Et j'avais trouvé ce lot de 3 et comme j'étais tombée amoureuse de mon déodorant Schmidt, mais c'était dans la gamme peau sensible au thé au jasmin, je pensais que ça allait être aussi bien et franchement je préfère pour l'instant, autant en termes d'efficacité, d'odeur, tout, je préfère la gamme peau sensible. Enfin je les ai pas tous testés, mais ça viendra. Donc je suis dégoûtée, j'en ai encore 2 à terminer, j'en ai un dans ma salle de bain mais je l'utilise jamais puisque moi j'ai souvent 4 déodorants différents en fonction de la situation. Et celui-là je le boude beaucoup en ce moment et il faut que je le finisse quoi, j'en ai 2 autres. Ça finira sûrement dans un projet Tenpan. Hein. J'ai terminé un soin minceur de la marque Maëlia. Je crois qu'il en reste un chouïa, mais c'est dégoûtant, c'est tout jaune. Je l'ai depuis extrêmement longtemps. C'est un produit qui est censé être anti-cellulite. En fait, le bout là est massant, donc vous déversez du produit, puis vous massez avec ça. Je vois aucune efficacité. C'est aux 7 huiles essentielles, 100% pure, naturelle et efficace, plus caféine. J'aime bien ce genre de produit, mais le problème c'est que avec tous mes déménagements que j'ai eu, je sais plus trop ce qui s'est passé, j'ai pas pu l'utiliser d'un trait et donc il a un peu tourné là sur la fin. Peut-être que si je l'avais utilisé beaucoup plus régulièrement sur la durée, que je l'avais utilisé d'un trait, j'aurais vu des effets. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie de critiquer des produits quand c'est de ma faute qu'ils ont été mal utilisés parce que c'était français. Quand je ne respecte pas les consignes d'utilisation d'un produit, ben j'ai pas envie de dire d'ailleurs que le produit est nul parce que c'est peut-être de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, je sais même pas où ça se trouve, mais si un jour j'en ai une autre dans une beautiful box ou quoi, bah je serais contente de l'utiliser et cette fois-ci je ferai les choses mieux. J'ai terminé un masque d'argile de chez Cartier. Je viens juste de réaliser un truc, c'est que l'une d'entre vous m'avait demandé de mettre les liens en barre d'infos. Alors déjà c'est un boulot monstre, j'ai pas le courage, mais je vais vous dire seulement pour les produits que j'aime vraiment bien, où est-ce que vous pouvez en trouver. Donc là je vois, j'ai tout jeté par terre, hein. La spiruline vous pouvez en trouver en pharmacie, le gel douche Cadom en supermarché, le masque d'argile, les masques d'argile Cartier vous pouvez les trouver en parapharmacie aussi. Il y a juste pour Trilogy, vous pouvez trouver ça sur le site de Fil Unique, mais je trouve ça quand même cher, je sais pas. Je vous ai déjà présenté des produits alternatifs, notamment pour les nettoyants Trilogy. Il y en a un que j'ai découvert sur iHerb qui coûte 7€ et qui est génial. Allez voir ma dernière vidéo produit terminé si vous voulez voir duquel il s'agit. Donc ce masque d'argile de chez Cartier, j'ai beaucoup aimé. C'est mes masques d'argile préférés, mais celui-ci c'était argile jaune. On va s'en sortir, mais je préfère clairement l'argile rose qui, je trouve, a le même effet sur la peau, mais qui est beaucoup plus doux. Il y a des oiseaux qui passent, désolé. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait un petit peu chaud. C'est ça que j'aime avec l'Australie, tu peux te retrouver en plein cœur de l'automne ou même de l'hiver. Des fois t'as une journée chaude comme ça qui tombe de nulle part et tu dis waouh, c'est une journée d'été gratuit, bonus. Donc on en profite, on ouvre toutes les fenêtres. Donc celui-ci c'est designé pour les peaux sèches, ce qui est mon cas, mais pour autant je l'ai trouvé plus, il m'a un petit peu plus tiraillé que celui à l'argile rose qui est pour les peaux sensibles. Donc vraiment moi je vous conseille l'argile rose parce que l'effet est le même. On a une peau clarifiée, nettoyée, ça nettoie les pores. N'oubliez pas qu'avant de faire un masque d'argile, c'est important d'utiliser un produit qui va un peu exfolier. Donc soit si vous utilisez des gommages parce que vous avez une peau épaisse, résistante, bah vous pouvez utiliser un gommage avant, mais moi je préfère utiliser le Pchit Magique de chez Garancia qui est juste un exfoliant très doux aux acides de fruits qui va enlever une couche et comme ça j'ai l'impression que le masque d'argile arrive mieux à pénétrer dans les pores pour les nettoyer. Et voilà, c'est un produit que j'ai encore en stock d'argile rose cette fois, donc je suis trop contente. Mais pour le moment j'utilise celui de chez Antipode, le baume à lèvres à l'huile d'argan de chez Melvita. Celui-ci il est génial. Vous pouvez le trouver partout en parapharmacie. Je vous en ai parlé en vidéo favori donc je vais pas m'étaler, mais c'est
un baume à lèvres que je trouve très efficace et que je rachèterai pour sûr. C'est pas tous les produits que j'ai envie de racheter, donc quand je vous dis que j'ai envie de racheter, c'est que c'est vraiment trop bien. Mon eau tonique préférée de chez Trilogy, à la rose au géranium et à la lavande, pareil je vous en ai déjà parlé en favori, mais ce spray hydratant, c'est comme une eau florale mais un petit peu plus poussée avec un mélange hyper sympa, ça sent trop bon, ça détend, c'est mon spray du soir préféré, j'en ai encore en stock, c'est encore ce que je suis en train d'utiliser actuellement et... je suis bien contente, ça, pour le coup, d'en avoir en stock. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez Dermaï, qui se présente comme ça, dans un petit flacon pompe. Je vous en ai déjà parlé, je suis pas super fan, parce que je la trouve trop épaisse, trop grasse. Elle est pas hyper hydrosoluble, ce qui veut dire que tu t'en mets partout, ça démaquille bien, ça décolle tout, parce que c'est épais, c'est très gras. Par contre, après, pour l'enlever, ça s'émulsionne pas vraiment à l'eau, faut prendre un gant et tout, c'est pas dingue. C'est à l'huile d'argan et à l'huile de jojoba. Elle sent très bon, elle est agréable, on va dire, à utiliser, ça démaquille super bien. Mais après, faut prendre une lingette avec de l'eau chaude dessus, enfin une petite serviette, éponge ou ce que vous voulez, passer pour tout enlever. C'est pas une super huile démaquillante et je crois que j'en ai encore une en stock que j'offrirai peut-être à ma soeur parce qu'elle adore les huiles démaquillantes, elle aime bien en tester d'autres. Peut-être qu'elle, elle l'aura mieux que moi. Chose dont je suis pas peu fière, j'ai commencé à utiliser quelques miniatures pour essayer, vous savez, d'écouler mon stock. Hein. Plutôt que d'utiliser que un mois que des miniatures, j'ai décidé d'en utiliser comme ça une de temps en temps. Au moins, je le vois pas vraiment passer entre des produits que j'aime mieux, par exemple. Et au moins, voilà, ça gaspille pas, je les utilise et tout et tout. Donc là, j'ai utilisé une émulsion nettoyante de chez Sebamed. On en entend souvent parler de ce truc-là. C'est fait en Allemagne, ok. Est-ce que c'est américain? Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, on va pas s'avancer. Si on sait pas, on ne dit rien. C'est un produit qui est fait pour les peaux très sensibles. C'est ultra vert, c'est vert fluo. Vous voyez à l'intérieur, c'est tout vert, vert alien. Je sais pas pourquoi on dit que les aliens sont verts. Moi, je pense que les aliens, ils sont tellement plus avancés que nous, qu'ils peuvent ressembler à des êtres humains et qui sont peut-être déjà parmi nous. J'en suis sûre même. Je vais passer pour une folle, mais bon, écoutez, hein, chacun ses petites croyances. Peut-être même que j'en suis une. Ah, ça expliquerait beaucoup de choses en fait. Je sens que vous dites, ah, c'est ça. On se demandait c'était quoi son petit truc là qui allait pas. C'est ça en fait. Tout ça pour parler d'un gel douche. Je n'ai pas trop aimé parce que ça sent pas super bon. C'est très visqueux, ça mousse pas beaucoup. Ça s'étale pourtant hyper bien sur le corps. C'est-à-dire qu'avec une petite quantité, on peut faire tout son corps parce que voilà, c'est très liquide, visqueux. Mais c'est très doux pour la peau. C'est clair que je pense pas que vous pouvez avoir vraiment une irritation avec ça. Mais j'achèterai jamais ce produit en grand format, ça c'est clair. Je crois que j'en ai encore une miniature à utiliser, il me semble. Quelle autre miniature ? J'ai utilisé ceci de chez Yves Rocher, un gommage poudre d'abricot pour tout type de peau. Vous savez, c'est les petits gommages qu'ils donnent en cadeau là, dès qu'on passe une commande ou quoi. J'ai pas du tout aimé, les grains étaient agressifs mais il y en avait pas assez, donc ça faisait un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Le produit autour c'était une gelée et moi je préfère quand c'est un truc soit gras, soit vraiment crémeux. J'aime pas trop quand c'est au milieu d'un gel, j'ai l'impression que c'est agressif, asséchant. J'ai pas trop aimé, je trouve que ça fait pas grand chose, ça sert pas à grand chose et je l'ai utilisé... pas sur mon visage, parce que je fais pas de gommage sur mon visage, je l'ai utilisé sur mes jambes, je crois. Je crois que j'avais quand même essayé de l'utiliser sur mon nez. Mon nez, c'est le seul endroit, des fois, où je fais un petit scrub, parce que j'ai un petit peu des points noirs, mais c'est vraiment pas dingue. Ah, j'ai un produit! Ah, ça sent bon. Ah, mais c'est ça, il en reste un petit peu dedans. Merde! En plus, c'est pas un produit que j'ai trop aimé. Bon, bah, on va passer à lui. Par contre, j'ai pas prévu de mouchoir. Ah, heureusement, j'en laisse traîner partout. Il y en avait un par terre juste là. Alors, j'ai terminé ce démêlant de chez Herbal Essence. Herbal Essence, c'est une marque pour les cheveux qui sent ultra bon, que vous trouvez dans tous les pays anglo-saxons. Je sais pas si vous les trouvez en France, peut-être. Peut-être pas autant de gamme. Nous, on a une gamme mais géante avec plein d'odeurs. Ça sent mais vraiment ouais, trop bon. Et ça, je l'ai acheté par erreur en fait. J'avais acheté un lot de shampoings à Hugo de cette marque. Hugo, je lui ai demandé qu'est-ce qui t'importe dans un shampoing, est-ce que tu veux que ce soit naturel, silicone, parabène. Je lui ai expliqué ce que ça faisait, les silicones, le sulfate et tout, mais il en a rien à péter. Il dit moi je veux que ça sente bon. Ok, je lui avais acheté un lot, il y en avait un au beurre de karité qui sentait hyper bon, un qui sentait la fraise et la menthe, un qui sentait les fruits, je sais plus quoi. Et celui-ci, c'était au pamplemousse blanc et à la mossa mint. C'est quoi ça? Mousse et menthe. Bon bref, c'est une odeur assez fraîche, assez pétillante. Sauf que je me suis plantée. Il m'a dit mais le shampoing là que tu m'as donné au pamplemousse, il mousse pas, c'est normal, ça fait gras. Ah ben oui mon chéri, c'est un après-shampoing. J'ai acheté n'importe quoi. Donc il me l'a refilé parce que même s'il a les cheveux très longs, il n'utilise pas d'après-shampoing. Et je déteste utiliser ce genre de truc plein de silicone et tout. Ça pour le coup, c'est pas du tout naturel ou rien du tout. Mais je l'ai utilisé parce que il était hors de question de gaspiller. Je l'ai utilisé sur mes... Ah, j'ai eu peur! J'ai eu trop peur! La fille qui parle. Oui, donc. Ah!
C'était un peu ça dans ma tête qui s'est passé. Alors évidemment, ce genre de produit, ça démêle super bien, c'est gras, c'est riche, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, tes cheveux sont ultra doux, ultra démêlés, mais c'est vraiment de la poudre aux yeux parce que quand tu utilises ça, tu te rends compte sur le long terme que ça assèche tes cheveux. Franchement, moi je peux plus les trucs où il y a du silicone et tout, j'aime de moins en moins. Donc bah, j'ai utilisé, j'ai terminé, enfin ce que je pensais, mais il y a un petit bout qui a giclé. En fait, j'aurais pu le garder pour ma sœur qui s'en fiche aussi, qui veut que des démêlants qui sont bons, qui sont efficaces, elle s'en fiche un peu que ce soit naturel. Sauf que le bouchon a été pété tout de suite, donc pour le transporter, ça aurait été compliqué. J'ai essayé de pas le mettre sur mes racines pour pas les encrasser. C'est pas un produit que je vous conseille, mais si vous vous en fichez complet des compositions et que vous aimez les trucs qui sentent super bon, ben franchement, quand vous allez dans des pays où je sais pas si vous les avez en France, mais Herbal Essence, c'est une marque qui peut que plaire, je pense. J'ai terminé un sérum de chez Trilogy, le Rosapen Radiance Serum. Je l'ai déjà utilisé avant, je suis encore en train d'utiliser. J'aime beaucoup ce sérum, alors je vois pas un effet de ouf sur la luminosité, on va dire, de mon teint. Par contre, il a une texture qui fait que c'est un petit peu hydratant, un petit peu nourrissant. Et ça, je trouve ça très agréable. Donc effectivement, quand ta peau est bien hydratée, bien nourrie, bah, elle paraît plus glowy, plus en bonne santé. Voilà, c'est un produit que j'aime bien, mais que c'est pas un sérum que je trouve révolutionnaire. Fini tes phrases. Révolution. C'est pas... Oh, ce n'est pas un sérum que je trouve révolutionnaire, pour être honnête. Mais de toute façon, tous les produits Trilogy, je sais même pas si je devrais vraiment vous les présenter dans ce type de vidéo, puisque je compte vous faire une vidéo revue complète sur la marque. Mais les vidéos produits terminés, c'est aussi pour que vous voyez ma consommation. Vous qui connaissez mes stocks, qui savez tout ce que j'aime bien vous montrer tout ce que j'ai terminé. Toujours d'ailleurs de cette marque, j'ai terminé un produit contour des yeux que j'ai détesté. Je pensais l'adorer, ce truc là. Il y a de la caféine, de l'acide hyaluronique, donc c'est pour le contour des yeux. Ça fait que la caféine, ça aide à la circulation, donc ça aide au fait que vos cernes ne soient pas trop marquées, parce que là il y a du sang qui stagne ou j'en sais rien. La caféine aussi, c'est fait pour dégonfler. Si vous avez les yeux un peu bouffis, ce qui est mon cas, en fait j'ai comme une espèce de petite poche un peu, j'ai l'impression, enfin ça dépend des jours, des fois c'est plus une marque noire, des fois c'est plus une poche, mais en tout cas j'ai toujours des cernes, depuis que je suis petite c'est comme ça. Sous certaines luminosités ça peut être trompeur, on dirait que j'en ai pas, mais en fait je vous assure que j'en ai toujours. Ce produit je l'ai pas aimé, alors au bout il y a une espèce de petite bille comme ça en métal pour qu'on passe et que ce soit froid, mais comme je trouve pas ça forcément hygiénique, moi je prenais plutôt sur mon doigt, je faisais comme ça, et en fait ce que j'ai détesté c'est la texture. Ce truc est collant et jaune, en fait ça va être horrible ce que je vais dire, je vous préviens, si vous êtes en train de manger, arrêtez deux secondes, ça ressemble à du pu. C'est jaune, visqueux, collant, c'est pas agréable, on sent qu'on a quelque chose parce qu'après ça tire un petit peu quand ça sèche. Ça n'a pas d'effet de ouf, en plus t'es jaune sous les yeux, tu peux pas faire de masque avec, moi j'aime bien mettre en couche épaisse en fait mon contour des yeux et là tu peux pas, on dirait que t'es malade en fait, t'es tout jaune ici. Je ne comprends pas ce produit d'ailleurs, je crois qu'il a été arrêté par la marque et ça ne m'étonne pas. Il m'en reste d'autres que je vais donner parce que moi je l'ai pas aimé parce que j'aime bien faire des masques avec, mais je sais que ma mère, ma soeur mettent une petite couche. J'ai essayé en petite couche, ça va beaucoup mieux déjà, mais il y en a quand même d'autres que je préfère à celui-là, donc même si c'est pour en mettre une couche fine, je préfère utiliser un autre produit que ça. Donc voilà, je ne garde pas et mes autres réserves je vais les donner aussi, enfin je les ai déjà mis de côté pour les gens. Ensuite on a un dentifrice de chez Leclerc que j'adore, la marque Bionaya. Moi j'adore celui qui est à la menthe classique et là j'avais voulu tester celui à la noix de coco et à l'aloe vera en étant très sceptique parce que moi j'aime beaucoup le goût de menthe dans la bouche et tout. Et ben malgré tout c'est très très frais, franchement c'était sympa, ça change. Hugo a bien aimé aussi, ça fait pas une bouche ultra fraîche, moi j'aime les dentifrices vraiment qui arrachent et là c'était pas le cas. Mais il est bio, il est pas cher, il était sympa, donc chouette. Je sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas les dentifrices de cette marque, je les rachèterai, c'est sûr, au moins celui à l'amande classique. Un autre échantillon que j'ai terminé, la crème pour le corps à l'amande de chez L'Occitane, un grand classique. Ça, je pense que je vais économiser. Bon, de toute façon, mon argent de France, je la dépense pas vraiment, donc je l'économise forcément. Mais je pense que la prochaine fois que j'irai en France, je m'achèterai tout le coffret de la gamme à l'amande, la crème pour les mains, la crème pour le corps, l'huile de douche, tout. J'aime trop, trop, trop cette odeur. Et j'étais surprise parce que même si c'est un concentré de lait, donc effectivement c'est un lait, c'est assez léger, et ben j'ai trouvé ça quand même assez nourrissant pour un lait. Vraiment, j'étais trop contente. Je l'ai mis ici parce qu'il n'y avait pas assez pour faire tout mon corps, je l'ai mis plutôt sur le haut de mon corps. J'ai mis tout de suite mon pyjama et ça a senti pendant trop longtemps, je me suis réveillée le lendemain, mon pyjama il sentait encore. Mais en même temps c'est une odeur vraiment très douce, pas envahissante, je suis fan et c'est clair que un jour je vais craquer sur cette gamme chez L'Occitane, c'est évident. Encore une miniature que j'ai utilisée, le soin lavant anti-confort anti-sécheresse de chez La Roche-Posay, le Toleriane. Que j'ai pas vraiment aimé, c'est un lait qui ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne mousse pas, il se répartit pas super bien et en gros il en faut énormément pour se laver tout le corps. Ce truc-là, même s'il est quand même assez gros, en temps normal, un gel douche
classique avec 50 minutes comme ça, mais je pourrais faire une semaine facile. Là j'ai dû faire 2-3 jours. Alors effectivement oui, ça n'agresse pas, et encore que j'ai envie de vous dire, je me suis lavé les muqueuses avec cette chose et ça m'a piqué. Donc c'est même pas si efficace, en plus aucun plaisir d'utilisation. J'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, c'est tout. Alors ça c'est une crème encore de chez Trilogy qui est censée être pour le visage, mais je l'ai utilisée pour mon corps puisqu'il est périmé. Voilà, c'est une des petites astuces que j'ai trouvé pour vider mes stocks plus vite. On en a beaucoup parlé entre nous en commentaire sous ma vidéo où je vous présentais tout mon stock de soins et je vous parlais du fait que j'étais hyper oppressée, et vous m'avez donné des astuces aussi pour vider. Entre temps vous savez que j'ai trouvé des solutions pour vraiment... vraiment vider, désengorger mes stocks, et notamment je vais arrêter d'utiliser des produits périmés comme ça qui n'en finissent plus, parce que pendant que j'utilise les choses périmées, les choses qui sont pas périmées sont en train de se périmer ou du moins de vieillir, et c'est complètement con. Je préfère utiliser des super trucs sur mon visage et les produits que j'ai vraiment vraiment pas envie de gaspiller, parce que même s'ils sont périmés, ils sont encore potables, et ben je les utilise sur mon corps. Et franchement, je fais beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Ça périmait en février par exemple, et je l'ai utilisé voilà, en quelques jours. J'en mets sur tout mon corps, sauf là où je mets de l'huile. C'est pas très agréable parce que c'est quand même une crème qui est assez riche, assez nourrissante. Et autant c'est une crème que j'adore sur le visage, autant sur le corps moyen. Et en plus, il faut beaucoup masser. C'est le genre de crème, comme beaucoup de crèmes naturelles, où quand t'en mets, ça te fait tout blanc. Plus t'essaies de faire pénétrer, plus tu frottes, plus c'est blanc, ça s'étale. Et ça reste blanc hyper longtemps, donc un peu pénible. Mais au moins je n'ai pas gaspillé, et ça je suis très contente. Toujours une crème hydratante. Alors j'ai fini un duo parce que j'ai souvent une crème de jour et une crème de nuit. En crème de jour, j'utilisais la Bioderma Hydrabio Légère pour les peaux déshydratées et sensibles. J'adore ces crèmes de Bioderma. Je vous parle souvent de crèmes plus ou moins chères. Ça fait partie des crèmes pas très chères que je peux vous conseiller. Vous les trouvez partout en parapharmacie en France. La gamme Hydrabio, je trouve qu'elle peut correspondre vraiment à tout le monde. Alors elle sent très bon. Je suis pas sûre pour les peaux très sensibles de ce que ça ferait, donc demandez à la pharmacienne du coin. Mais franchement, c'est léger, ça s'absorbe hyper bien, pour autant dans la peau très hydratée, et j'aime autant la version légère que la version riche pour les saisons un peu plus froides. En ce moment je suis en train d'utiliser la riche par exemple. Facile à transporter partout, y a un flacon pompe, donc trop pratique, hygiénique. Là moi j'ai utilisé après la date de péremption et c'était génial. Enfin franchement, ces crèmes là de Bioderma, ça sert à rien d'aller chercher compliqué, des trilogies, des trucs que je vous présente des fois qui sont très chers, ça c'est vraiment vraiment suffisant. Et enfin j'ai utilisé pour la nuit le baume de nuit réconfortant de chez Aven, de la gamme Dermabsolu. Ça vous le trouvez aussi en parapharmacie bien sûr, puisque c'est du Aven. C'est dans un flacon pompe assez original, là vous savez, faut appuyer comme ça dessous. Ça se bloque, pas quand vous partez en voyage. Voilà, on peut vraiment le fermer pour l'empêcher de couler et tout, c'est vraiment super. Ce produit je le conseille vraiment plutôt aux peaux matures ou et très très sèche. Pour le coup je pense que c'était pas adapté à mon type de peau, j'ai pas la peau mature et j'ai la peau sèche mais pas à ce point, donc peut-être en plein hiver, la nuit et tout, je sais pas, encore qu'avec le chauffage il fait pas si froid dans la maison, mais j'ai beaucoup aimé en fait, c'est très agréable. Mais pour autant, objectivement, je pense que c'était pas adapté à mon type de peau. Encore une miniature de crème hydratante pour le visage de chez Aven, donc la Hydrance Riche, qui est parfaite, beaucoup moins chère que l'autre que je vous ai montré juste avant. Un cran au-dessous en termes de nutrition, en termes de richesse de la crème, elle est un poil moins riche, quand même riche. Et moi, elle me convient parfaitement bien, c'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. J'adore ce produit, voilà, quand ma peau tire, quand il fait froid, quand il fait trop chaud, quand il fait trop sec, ce qui arrive quand même souvent en Australie. Et avec un petit tube de 15 ml, on tient quand même pas mal de jours avec, donc c'est intéressant d'avoir des miniatures comme ça. Pour partir en vacances, je pense que j'en ai encore un paquet d'autres, mais j'en ai au moins terminé une que j'avais entamée en fait, je pense, quand mes parents étaient venus en janvier. On s'était un petit peu promené à Sydney et tout, et donc j'avais emmené une petite trousse de toilette, il y avait ça dedans. Mais c'est terminé. J'ai utilisé des masques, je crois que j'en ai encore un à utiliser, mais je vous le montrerai pas du coup parce que c'est exactement la même chose que ça. C'est des masques de la marque Inoxa. Je les ai tous utilisés à la suite les uns des autres, puisqu'ils périmaient là en début d'année 2020, donc il fallait vraiment que je les utilise. J'ai trouvé ça agréable, mais les masques en tissu comme ça, je vois jamais un effet de dingue honnêtement. C'est exactement comme si vous vous étiez mis un sérum sur le visage, donc certes ça fait quelque chose et c'est chouette et tout. Quand vous réveillez le lendemain, vous voyez que vous avez fait quelque chose la veille, mais c'est tout, ça fait pas un effet sur du long terme. Alors que quand on utilise toujours le même masque en continu dans un pot pendant 3 mois ou quoi, je trouve qu'on peut finir par avoir des effets sur sa peau.
Bon, en même temps, celui-ci promettait pas un truc de ouf non plus, c'était liftant, raffermissant. C'est vrai que le produit était tenseur, donc il y avait un effet tenseur immédiat quand j'arrêtais, quand je l'enlevais. Ça restait encore un peu humide un moment, je massais tout, je laissais. Et c'est vrai qu'on avait la peau un petit peu tendue, mais c'était l'effet vraiment du produit sur la peau. Une fois que vous rincez la peau, il n'y a plus cet effet-là. Par contre, c'était parfaitement hydratant. Les soirs où je mettais ça, j'avais pas besoin de mettre mon sérum hydratant en plus, je mettais juste ma crème hydratante et puis j'allais dormir comme ça. Donc c'était des produits sympas, mais pas de quoi se relever la nuit. Et enfin, j'ai terminé des bougies. Alors déjà, une bougie aux fruits rouges de chez Ikea. Ce qui est bien, c'est que... voilà, j'ai un verre. Ça, j'adore ce genre de gros verre-là pour faire des desserts dedans. Vous voyez, des tiramisu, des trucs qu'on voit à travers les différentes couches. C'est super beau. Donc évidemment, je vais garder le verre, je vais bien le nettoyer. Ça, à la limite, peut-être que je pourrais... Ah, je viens d'avoir l'idée là en faisant la vidéo, mais peut-être que je pourrais mettre cette cire là dans le brûleur. Je la casse en morceaux, je vais essayer. Bah, vous savez quoi, je vais essayer, on va pas gaspiller. Je vais casser en morceaux, je vais mettre ça dans mon brûleur et on va voir si ça sent. Ça sent les fruits rouges, ça sent super bon, mais ça se diffuse pas énormément. Franchement, les bougies Ikea, moi je les trouve pas top. Peut-être celles qui ont des odeurs très écœurantes comme la vanille sentent d'hyper loin. Celle-ci aux fruits rouges est quand même plutôt discrète. Et dans l'autre maison qu'on avait avant, la maison de l'enfer, je la mettais dans mon dressing. Et pour une petite pièce comme ça, c'était parfait. Mais là, dans une grande maison comme ça, ça fait pas grand-chose honnêtement. Donc si vous avez un petit appart, les bougies Ikea, je trouve que ça vaut le coup, c'est sympa. Bon, je vais poser ça là. Mais si vous avez une grande maison, c'est pas la peine. Ensuite, une tartelette de chez Yankee Candle, la Summer Peach, donc celle à la pêche. Ça sent très fruité, ça sent très joyeux, c'est pas une odeur raffinée, c'est pas le truc que j'aimerais bien avoir tout le temps chez moi comme odeur, mais une fois de temps en temps, je trouve ça très sympa. Et les tartelettes Yankee Candle, je suis toujours choquée de la portée de l'odeur comparée aux grandes jarres qui ne font rien du tout. Là, tu mets une petite tartelette dans ton brûleur et ça sent dans toute la maison. Enfin, moi j'aime beaucoup les tartelettes, franchement, de chez Yankee Candle. Et j'en ai d'autres et je suis bien contente. Et enfin, on termine par un coup de cœur monumental, certainement le plus gros de cette vidéo. J'ai terminé une bougie de chez Bath & Body Works, qui s'appelle la Snow Mountain Lodge. Donc souvent il y a la traduction pour les Canadiens, chalet dans les montagnes enneigées. Ils sont trop mignons les Canadiens, j'aime trop, mais en même temps c'est ça que ça veut dire hein. Donc c'est la bougie chalet dans les montagnes enneigées, elle est incroyable. Dès que quelqu'un venait chez nous, passait chez nous quand il y avait cette bougie, il faisait waouh. Hugo, il en est complètement fan. Alors je sais pas pourquoi, elle a pas brûlé exactement jusqu'au bout. Vous voyez, il en reste un tout petit peu. Mais quand j'allume les mèches, elles s'éteignent tout de suite. Enfin, ça peut plus vraiment. Je pense que c'est une sécurité en fait. Mais c'est un truc de malade. Bon là, en plus, avec le côté brûlé des mèches, ça rajoute un côté feu de bois par-dessus tout ça. Mais ça sent vraiment le pain, la sève. Et franchement, les bougies Bath & Body Works, c'est un énorme coup de cœur. Je me dis qu'une fois que t'as testé ces bougies, tu peux plus aimer d'autres bougies. Bon, après j'ai pas essayé des bougies top class genre Durance, Diptyque et tout, qui doivent être aussi incroyables, mais je compare par exemple aux Yankee Candle ou aux bougies voilà Ikea ou que tu trouves voilà pas cher. Franchement, moi maintenant que j'ai testé ces bougies là, j'aurais beaucoup de mal à en utiliser d'autres. Mais c'est, en plus tu l'allumes, elle a même pas le temps de fondre tout autour, tu la laisses un tout petit peu mais ça sent dans toute la maison. Et je trouve que c'est des odeurs raffinées, enfin il y en a, il y a de tout chez Bath & Body Works aussi, c'est ça que j'aime bien. Mais celle-ci, elle est hyper raffinée, ça sent vraiment la forêt, ça sent le bois, la sève, les aiguilles de pin. C'est très chaleureux, alors ça s'appelle enneigé, mais moi pour moi c'est une odeur très chaleureuse qui fait tout de suite une ambiance dans une maison. Mais t'as juste allumé ça, t'as toute une ambiance qui se crée comme ça, comme par magie, c'est incroyable. Ouais, j'ai adoré ce produit et je vais garder bien sûr tous les pots de mes bougies Bath & Body Works. Je me dis que si je les nettoie bien et tout, ça peut même me servir dans ma pantry pour ranger des graines, des noix, ou je sais pas encore, ou... parce que c'est vrai que j'utilise pas de coton. Bon, bref, en tout cas je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. Vous savez aussi que cette année je garde tous mes produits terminés, ou presque. Je vais peut-être pas garder les shampoings, ou je vais pas tout garder, mais je vais garder beaucoup de choses dans des grandes boîtes dans mon garage, et à la fin de l'année je ferai un bilan de tout ce que j'ai utilisé en un an, parce que je trouve ça trop intéressant, j'ai trop envie de savoir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec vous, je pense que vous le voyez. J'aime toujours autant les vidéos produits terminés, je trouve ça très chouette, parce qu'on parle beauté, parce qu'on sort des petites anecdotes qui n'ont rien à voir, parce que c'est un rendez-vous avec vous. Je sais qu'après on va discuter en commentaire et ça me fait trop plaisir, parce qu'aussi je suis assez fière de vous montrer les produits que je termine maintenant que vous avez vu tout mon stock de soins. Vous voyez que je m'applique à terminer les produits, à tous les utiliser, j'achète plus rien, tout ça c'est que des choses qui sont dans mes stocks depuis un moment, et c'est une telle satisfaction de finir des produits que de faire ces vidéos, c'est comme la
concrétisation de ça, du fait que j'utilise mes produits, que j'y termine, que j'avance, voilà, que mes stocks diminuent un petit peu. Et ça, c'est très très cool. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.